Bonjour à tous, c'est Antonio sur Cessia. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le dernier né de la gamme IMS. Il s'agit du lecteur média et machine à lire Sense Player. Alors, je vous propose une petite description de l'appareil qui va quand même s'avérer bien utile. Sur la tranche droite de l'appareil, nous avons un bouton de forme longue, qui est tout en longueur, qui permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Je vais vous proposer de l'allumer pendant que je continuerai la description. Hop, j'appuie 2-3 secondes dessus. Voilà, il a vibré. Sous ce bouton-là, vous avez un bouton qui permet de verrouiller ou déverrouiller le clavier. J'en profite pour vous dire que pendant qu'il s'allume, on a des petites vibrations qui correspondent à l'avancement de la mise en marche de l'appareil. Là, on a même du son qui vient vous signaler l'avancement. Sur la tranche droite, je crois que j'ai tout dit. Sur la tranche gauche, alors les amateurs de IMS ont reconnu le bruit Gestionnaire de fichiers. caractéristique d'allumage des appareils IMS et la synthèse vocale utilisée, qui est la synthèse Audrey de Nuance. Je passe donc à ma tranche gauche. Tout en haut, vous avez un premier bouton qui est un peu plus petit que les autres, grosso modo, qui est toujours un peu en longueur, mais qui est le bouton d'enregistrement. Alors, il y a deux types d'appui. Si on appuie de façon brève, c'est la liste des enregistrements. Si on appuie de façon prolongée, ça déclenche et arrête l'enregistrement. Sous ce bouton, vous avez ce qu'on appelle un bouton de contrôle vocal, qui vous permet, quand on appuie dessus, de régler à la fois le volume, Volume de la voix, 7. Vitesse de la la voix, vitesse 5. Tonalité de la voix, 5. et la tonalité. Ensuite, on a des boutons volume plus et volume moins. Alors, démonstration. Volume de la voix, 7. Volume de la voix, 6. Volume de la voix, 7. Volume de la voix, 8. Voilà, donc j'ai réglé ce volume-là. Sous ces boutons, toujours sur la tranche gauche, nous avons une fente qui est destinée à recevoir des cartes micro SD de 156 Go. Sur la partie basse, à gauche, nous avons la prise casque qui est uniquement destinée à recevoir un casque. À droite, l'emplacement USB pour charger. Il y a un secteur qui est fourni. Et on peut aussi le recharger sur un PC, mais ça sera beaucoup plus long à l'aide des câbles USB fournis. On va passer maintenant aux touches, et Dieu sait qu'il y en a un certain nombre. Tout en haut de la première rangée, je vais de haut en bas et de gauche à droite, on a une touche qu'on appelle la touche mode, qui nous permet de choisir le mode d'utilisation du Sense Player. Je vais appuyer une première fois un appui bref. Menu principal, gestionnaire de fichiers. Menu principal, Voilà, alors là, ça me gestionnaire de met gestionnaire fichiers. de fichiers. Si j'appuie de façon plus poussée, je vais avoir deux clics, et voilà ce que j'obtiens. Gestionnaire de fichiers mode. Voilà, gestionnaire de Mémoire flash fichiers à un mode. élément de liste. Donc et là, ça me met d'office dans l'explorateur de fichiers. Bon, il y a d'autres raccourcis qui nous permettront de faire la même chose. La touche qui suit est une touche qui permet de connaître par un appui bref l'état du Wi-Fi, et un appui long nous permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi. À droite de cette touche, on a une touche Bluetooth qui a les mêmes caractéristiques que la touche Wi-Fi. Ça nous permet de soit de connaître l'état du Bluetooth ou bien d'activer ou de désactiver le Bluetooth. À droite, on a la touche qu'on appelle connexion intelligente, qui va nous permettre de paramétrer le Sense Player pour pouvoir utiliser son clavier et piloter un iPhone ou un téléphone Android. Ces touches-là ont des appuis brefs et des appuis un peu plus poussés, qui se caractérisent par vous ressentez deux petits clics au bout des doigts.
Sur notre deuxième rangée, nous avons la touche Origine, Gestionnaire de qui, fichiers. quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez, vous ramène au menu principal de l'appareil. À droite de cette touche, vous avez la touche Menu, qui vous permettra d'afficher le menu de l'application. Ensuite, on a quatre touches, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 5 touches qui constituent le pavé de navigation. Flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche et le centre qui permet de valider une action. Lecteur média. Lecteur des. Vous voyez, je parcours ici lecteur les différentes documents. Applications Radio FM. Disponibles OCR. Dans l'appareil. Radio Web. Sous ce joystick, vous avez deux touches. La touche de gauche permet d'annuler une action et la touche de droite permet de supprimer, par exemple, un symbole lorsque vous écrivez un code Wi-Fi, par exemple. Ensuite, vous avez un pavé numérique qui a des fonctions bien déterminées. Et comme je ne les connais pas toutes par cœur, je vais vous montrer quelque chose que vous ferez aussi. Je vais activer ce qu'on appelle le descripteur de touche. Pour ça, vous allez appuyer de façon prolongée sur le centre du joystick qui est rond, de façon prolongée, et voilà ce que nous obtenons. Mode aide des touches activé. Voilà, c'est un mode aide des touches. Alors, pour vous reparler un tout petit peu des touches que je vous ai montrées tout à l'heure, puis après on ira faire un tour sur le pavé numérique. Si j'appuie sur ma touche principale, sur ma touche en haut à gauche, la touche que j'ai appelée la touche mode, voilà ce qui se passe quand j'appuie sur cette touche et que je suis dans le mode descripteur de touche. Touche mode, appui court pour annoncer l'état actuel du programme, appui profond pour parcourir les programmes et appui long pour déterminer les programmes que la touche mode permet de parcourir. Voilà, tout est dit dans cette touche-là. Je rappuie sur ma touche Wi-Fi, vous allez voir qu'il va être toujours aussi explicite. Touche Wi-Fi, appui court pour annoncer l'état du Wi-Fi, appui profond pour activer ou désactiver le Wi-Fi et appui long pour ouvrir les paramètres du Wi-Fi. Voilà. Alors, je voulais faire un petit tour avec vous des touches de raccourci qui sont programmées sur le pavé numérique. Je trouve ça particulièrement bien foutu. Donc voilà ce qui se passe si j'appuie sur la touche 1 et ainsi de suite. Je vais vous montrer ça parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Touche 1, ouvre le gestionnaire de fichiers. Voilà, c'est écrit dessus. Touche 2, ouvre le lecteur média. Touche 3, ouvre le lecteur DESY. Touche 4, ouvre le lecteur de documents. Touche 5, ouvre la radio FM. Touche 6, lance l'OCR. Touche 7, lance la radio web. Touche 8, ouvre podcast. Touche 9, aucune fonction dans le lanceur. Voilà, on n'a pas près de touche là-dessus et si je fais le 0. Touche 0, ouvre le menu utilitaire. Touche dièse, aucune fonction dans le lanceur. Touche étoile, appui long pour ouvrir le réglage de la mise en veille. Voilà. Et si je veux sortir de ce mode descripteur de touche, rien de plus simple. J'appuie de façon prolongée sur le centre de mon joystick de navigation. Mode aide des touches désactivées. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de raccourcis qui sont associés à des touches, ce qui peut être bien pratique parce que, contrairement au Blast, cet appareil-là n'a pas de télécommande. D'accord ? Donc, si je veux lancer l'OCR, je vais simplement appuyer directement sur ma touche 6. OCR. Voilà. Prendre une photo bouton. Et j'arrive tout de suite sur prendre une photo. Si je veux revenir à mon menu principal, j'appuie sur ma touche origine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gestionnaire de fichiers. Voilà. Je reviens à l'accueil de l'appareil, au menu principal de l'appareil. Cet appareil peut être fourni, ce Sense Player, avec un support qui n'est pas fourni de base pour numériser des documents et pouvoir les lire.
Mais sinon, il faut que vous sachiez, que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, qu'en dessous, on a un appareil photo qu'on distingue bien avec le doigt, pour le coup, et qui fait quand même 13 mégapixels, ce qui propose des performances plutôt intéressantes pour l'OCR, en fait. Un bon appareil photo. Et puis après, en dessous, vous avez le couvercle que vous reconnaissez grâce à ses stries. Parce que c'est là-dessus qu'en dessous le couvercle, il y a de la batterie. Voilà, je pense que c'est tout pour ce premier petit tour d'horizon du Sense Player. Alors, il faut que vous sachiez donc, que c'est un lecteur multimédia, c'est un lecteur DAISY, vous avez vu qu'on peut écouter la radio FM, les radios web, on peut numériser des docs, il y a une calculette, il y a plein de choses. C'est un appareil dont je vous invite à découvrir la description sur notre site www.cessia.com. Et surtout, je voudrais aussi vous indiquer qu'on fera d'autres vidéos sur cet appareil-là, que ce soit Christophe ou moi-même. Vous aurez d'autres vidéos sur cet appareil multitâche qui est vraiment très performant. Merci à tous et à bientôt.